Il est 21h20 et nous sommes en train de dîner à 2239 mètres d'altitude au chalet du col du Port-d'Oye. Il y avait encore un transfert ce soir après l'étape de Pampeago et nous avons pris la direction de notre hôtel qui se trouve à Araba. Il nous reste 10 km à faire dans la descente, mais on a préféré s'arrêter pour manger. Vous pouvez imaginer qu'après une étape comme ça, j'avais faim. Une étape vraiment incroyable, avec d'abord 3 montées qui ne sont pas recensées par les organisateurs. Et sur le Tour de France, on les aurait classés au moins en deuxième catégorie. Ensuite, le col du Mangen, dont les 5 derniers kilomètres sont redoutables, à plus de 10% de moyenne. Et si les costauds veulent déjà commencer à se livrer bataille, il y a le terrain pour. Ensuite, une longue descente très très rapide qui nous amène sur l'Alpe de Pampeago. L'Alpe de Pampeago, j'avais encore jamais vu ça dans ma petite carrière de cycliste. Les 4 derniers kilomètres à 12% ne finissent pas. Et il y aura des écarts monumentaux demain. C'est pour un grimpeur, ce sera soit pour Piepoli, soit pour Simoni, mais je pense que Rico sera également devant, tout comme Contador. Donc à vous de le remettre dans l'ordre.